Messieurs, bon début de semaine à tous. Merci de nous rester fidèles et de suivre ce magazine Kios. Alors, l'actualité ce matin, c'est d'abord la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec d'intenses combats entre le FARDC et les M23. Nous allons analyser le sujet avec nos invités par rapport à ces situations d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont dit non au dialogue avec le roi. Sous couvert du M23, nous allons en parler avec nos invités. Et à Kinshasa, la Cour constitutionnelle ouvre ce lundi l'audience portant sur les contentieux électoraux des candidats députés nationaux dont le suffrage a été invalidé. C'est donc aujourd'hui que la Cour commence à analyser ce requête, analyse et commentaires avec nos invités. Du côté de l'Assemblée nationale, c'est la question du porte-parole de l'opposition, c'est aussi à la une, est-ce qu'Ensemble va accepter, Ensemble qui du reste est en réunion ce matin pour essayer de trouver une solution ou de trouver une décision par rapport à ces députés qui devront ou pas siéger à l'Assemblée nationale. Et certaines sources parlent de Matata Ponyo qui aurait accepté la main tendue de Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Nous allons en parler avec nos invités à l'Assemblée provinciale. C'est la session extraordinaire qui s'ouvre aujourd'hui. Les nouveaux députés provinciaux vont donc débuté aujourd'hui les plénières à l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour. Nous avons deux invités, Walter Kouy et face à Pascal Ohondje. Walter Kouy, bonjour et bon début de semaine. Merci beaucoup, Madame Gisèle, pour l'invitation. Mes salutations à vous, à votre famille et puis à mon aîné Pascal que je revois après près de deux semaines sur ce même plateau. Bon début de semaine à tout le monde et puis surtout aux téléspectateurs de votre chaîne CCTV. Merci beaucoup. Et Radio Liberté Kinshasa. Et Radio Liberté Kinshasa aussi. Nous sommes aussi sur YouTube, www.cctv Relique officielle. Oui, ou c'est plus facile de taper, je crois, kiosque CCTV. Vous avez le lien. D'ailleurs, nous sommes en direct. Hein. Les gens peuvent nous suivre. Moi-même, je suis sur YouTube régulièrement. Ok. Alors, Pascal Ohondje, bonjour à vous. Bon début de semaine également. En tout cas, bonjour. Merci beaucoup, Gisèle. Merci pour l'invitation. Bonjour à Walter. Nous pensons que cette semaine sera la plus heureuse pour le Congo du fait que nous avons des grandes compétitions. C'est nos deux grands matchs à délivrer. Nous serons le mercredi face à... face à Côte d'Ivoire, et puis le dimanche, je prédis déjà, et nous serons face au Nigeria, et donc il y a finale. Une grosse probabilité que nous puissions gagner cette coupe, mais je profite de cette occasion pour dire que l'euphorie ne nous emporte pas. Et là, je veux m'adresser directement du côté du chef de l'État. Il est vrai que vous avez aligné l'élément, nous allons l'aborder. D'un côté, nous allons nous réjouir. De l'autre côté, nous devons être vigilants. Nous ne pouvons pas dormir en fermant tous les deux yeux. Qu'est-ce qu'on dit? Deux yeux, si ça passe, parce que les yeux ne sont qu'au pluriel. Mais il faut qu'un œil, on ferme un œil et l'autre soit ouvert. Et c'est une façon de dire que nous devons être très prudents en cette période, parce que la Bible dit, on ne tue les enfants de Dieu souvent que pendant les fêtes. Voilà pourquoi il faut être prudent, parce que j'ai l'impression que nous semblons tout oublier, parce que c'est la CAN. Une interpellation, et je crois que c'est à juste mesure, parce que ce qui se passe à l'Est, c'est un sujet que vous aviez aligné, semble nous interpeller. Voilà, c'est vraiment une interpellation, hein, parce qu'il y a le foot, il y a aussi la course aux institutions, là ce sont nos politiciens, et ça donne l'impression que la situation de l'Est semble un peu... être voilé, on n'attire pas beaucoup d'attention Je pense de mon point de vue qu'on doit aller vite. Il est vrai que nous avons des textes qui voudraient qu'on respecte la procédure après les élections, qu'on ait l'informateur qui doit nous identifier la majorité à l'Assemblée nationale, et après on nomme le formateur pour nous composer le gouvernement, tout ça. Ça prend du temps, nous perdons des mois et des mois.
Et pourtant, nous savons que le gouvernement actuel est déjà démissionnaire. Alors maintenant, pour la prise en charge des questions essentielles du pays, je pense qu'il faut aller vite. Je venais d'évoquer pas longtemps la question de l'Est. Alors, est-ce qu'il faut respecter cette procédure qui nous prend 2-3 mois? Et alors que l'informateur peut avoir même 2 jours, même 3 jours, pour identifier la majorité à l'Assemblée nationale. Le problème se pose à quel niveau? Ça prend du temps à quel niveau? Question que chaque liste vienne faire sa déclaration et c'est tout. On informe le chef de l'État. Le formateur, s'il est là, le chef de l'État doit déjà prendre la langue avec pour qu'il ait déjà le gouvernement. À l'espace de 2-3 jours, on peut avoir le gouvernement. Parce que nous devons résoudre cette question de l'Est rapidement. Vous voulez dire des, gens qui sont actuellement comme ministres, que nous avons déjà l'information, qui tentent, n'est-ce pas, déjà comme député, n'est pas allé à l'Assemblée nationale et qui lui reste et à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Or, la loi dit, lorsque vous êtes élu député, vous devez d'abord aller à l'Assemblée nationale, valider votre mandat, pendant ce moment, votre poste reste vacant. Et maintenant, ils veulent cumuler les deux, tout en étant député, ils veulent rester en même temps ministre. Pourquoi? Simplement parce que beaucoup ont été élus, beaucoup de postes du gouvernement sembleront être vacants. Et voilà pourquoi je plaide que l'informateur soit rapidement nommé, qu'il ait au moins 2-3 jours de travail, que le formateur vienne rapidement nous publier le gouvernement et que les gens se mettent au travail pour résoudre les problèmes qui... Vous voulez dire quoi, Pascal? Et que le gouvernement actuel qui est démissionnaire ne peut pas prendre une décision, par exemple, par rapport à la situation de l'Est? Non, ce n'est pas qu'il ne peut pas prendre la décision, mais simplement ils sont trop partagés aujourd'hui. Ils sont partagés, la concentration n'est pas la même si aujourd'hui on a de nouvelles énergies. Et aussi, il faut le dire, ceux qui sont là, ils ont démontré également leurs limites. Il faut de nouvelles têtes, il faut de nouvelles idées qui viendront maintenant appuyer le chef de l'État pour qu'on trouve solution à la question. Les mêmes qui sont là ont échoué. Prenons le cas du Premier ministre par exemple. Est-ce que nous pouvons dire, en tout cas en toute réalité depuis 2-3 ans passés, qu'on a eu un Premier ministre? C'est le ministre qui s'est battu, et même visiblement. Le Premier ministre n'a pas été à mesure d'accompagner le chef de l'État. Il ne peut pas aussi tout faire seul. Non, les ministres sont là chacun dans son secteur. Oui, ouais. Chacun dans son secteur. Mais le coach c'est qui? Lorsque les joueurs jouent là, le premier responsable, s'il ne joue pas bien, s'il gagne, il perd, c'est le coach. Peut-être parce qu'il ne parle pas beaucoup, il est un peu timide. Alors pourquoi il ne peut pas parler? Vous dirigez le pays comme celui-ci, vous ne savez pas parler. Comment il ne peut pas parler? Et pourtant, il articule correctement. C'est mon petit frère. Hein? Je suis l'ami de son grand frère, Eric. Lui, c'est m'appeler grand frère. En toute réalité, lorsqu'on observe le travail, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, il faut rapidement qu'une nouvelle équipe vienne. On ne peut pas perdre le temps inutilement avec des procédures inutiles, l'informateur, la formateur, oui, on peut les avoir, mais qu'ils aient un temps court de travail. Un informateur pour nous identifier à la majorité parlementaire. Actuellement, ça ne peut pas prendre une semaine, Gisèle. Merci, Pascal. Alors, quand vous parlez d'une nouvelle équipe... Moi, j'assume cela avec la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut que Walter Kouille, qui est les deux chambres, soient réunies en congrès pour qu'on puisse prendre une décision par rapport à la situation de l'Est, comme avait promis le chef de l'État. Bon, je reviens sur ce que mon aîné disait. Je pense que, premièrement, tous les ministres qui ont été élus députés n'ont pas à traîner les pieds ou chercher... à se perdre dans les juridismes pour savoir ils doivent combiner les deux ou aller au Parlement. La Constitution est claire. D'ailleurs, il y a une jurisprudence qui date de la deuxième législature. Je me rappelle, José Makila, si j'ai bonne mémoire, avait saisi la Cour suprême de l'époque pour trancher est-ce que les ministres élus députés devraient aller siéger ou devraient combiner entre les deux. La Cour avait tranché que le ministre élu député va au Palais du Peuple ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat et laisse sa place au gouvernement à un intérimaire.
Rappelez-vous aussi quand, paix à son âme, le patriarche Koya Diallo avait assumé le poste de Premier ministre après la législature de 2011, je me rappelle. 2011, c'est 2011. Exact, c'est lui qui a remplacé. Voilà. Ça n'avait pas demandé que les gens traînent les pieds. Mais je crois qu'il est temps que tous les ministres qui ont été élus députés ne traînent pas les pieds, ne continuent pas avec des coûts créant des missions de services au niveau national ou international pour chercher encore de l'argent, sortir l'argent de la caisse publique. Deuxième élément, ou deuxième, il est revenu aussi sur la formation ou la composition de la future équipe du gouvernement. C'est depuis plus d'une année, on sait que toutes ces personnes évoluent ensemble. L'Union sacrée n'a pas été créée hier ou avant-hier pour qu'on cherche à identifier. C'est comme l'a dit mon aîné Pascal, chaque parti politique sait combien a-t-il fait élire comme députés nationaux. La CENI, c'est une administration électorale. Si on n'a pas des éléments de preuve, c'est question d'écrire et de demander les listes, que d'aller chercher mais le MLC, l'UDPS, combien de partis. Faites la demande à la CENI va vous envoyer les listes des gens qu'elle a publiés comme députés et ça ne va pas prendre le temps. Que l'on ne puisse pas perdre le temps. Le monde ne va pas nous attendre. La guerre dans l'Est ne va pas nous attendre avec nos conciliabules politiques ici à Kinshasa. Ça tire. On doit vite aller, on doit actionner toutes les énergies pour que nous puissions en finir avec cette situation de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'en appelle au président de la République, qui est le chef de l'Union sacrée ou l'actuelle majorité, de ne pas attendre trop de temps. Qu'il forme même déjà son cabinet, je ne sais pas, il a reconduit la même équipe ou comment, mais du moins, il a son directeur de cabinet et ses conseillers qui sont là, mais nombreux ont été aussi élus députés nationaux, qui continuent aussi de combiner entre l'Assemblée nationale, le Palais du Peuple et puis la présidence de la République. C'est mieux qu'ils puissent les décharger. S'ils ne veulent pas démissionner, il revient au président de la République de les décharger. Parce qu'on ne va pas attendre jusqu'à ce que le bureau de la Chambre sera définitivement installé. Quand vous avez déjà choisi d'aller au Palais du Peuple, assumez-vous. S'il arrivait qu'on puisse vous invalider, c'était déjà un choix que vous avez fait. C'est-à-dire que vous avez décidé de quitter la présidence le cabinet du président de la République. On doit être cohérent dans notre façon de faire la politique en République démocratique du Congo. Revenant sur votre question, s'agissant de cette épineuse question de la guerre dans l'Est, on doit repenser notre politique de défense parce que il y a encore beaucoup de failles qui sont démontrées par rapport aux résultats sur terrain. Je plains aussi notre armée qui est devenue presque comme une entité trop politisée. Au lieu de faire le travail de l'armée, ils sont tout le temps dans des communiqués. L'armée ne doit pas se plaindre. Je me rappelle stratégique, Walter. Non, ils sont en train stratégique, de stratégie. C'est depuis que Bounagana tombe, ils ont dit que c'est un repli stratégique. On va les retrouver aux portes de Kinshasa, ça sera aussi repli stratégique. Nous devons être inquiets autant que les habitants de Ishasha, de Rutshuru, de Masisi, de Goma. Ce n'est pas parce que c'est loin que nous devons dire que tout va bien. Non, les gens vivent dans l'insécurité. Il y en a qui sont nés, qui ont aujourd'hui plus de 25 ans, en train de fuir d'un village à un autre. On doit mettre un terme à cette situation et ça nécessite le courage et la prise de conscience de tout un chacun. On ne peut pas, comme le disait ici au Palais de la Nation, le président du Burundi, que au-delà de l'implication de la SADC, l'EAC, protocole de Rwanda ou de Luanda ou le processus de Nairobi, la constitution congolaise donne à notre armée le pouvoir de défendre l'intégrité du territoire national. C'est-à-dire qu'on voulait qu'on fasse la guerre. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent pas dire que nous avons fait un repli stratégique où nous observons le cessez-le-feu recommandé par les chefs d'État de la sous-région. Non ! Vous avez reçu, vous armée, vous avez reçu mission de protéger l'intégrité du territoire, de défendre le pays. Ces rebelles appuyés par le Rwanda ou le Rwanda vous attaque sous couvert du M23, vous ne pouvez pas dire que nous observons le cessez-le-feu et vous faites le repli stratégique. Non.
Voyez ce qui se fait avec Israël et Gaza. Le Hamas attaque, Israël va jusque dans le territoire palestinien. Pourvu qu'on soit au-delà de plus de 1000 résolutions des Nations Unies condamnant l'agression ou l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Nous ne devons pas être tout le temps bernés, à moins que nous soyons perpétuellement naïfs. On ne doit pas rester à dire non, la communauté internationale nous demande. Non, c'est notre pays. Ce n'est pas le pays de la communauté internationale. On doit devenir responsable, savoir qu'est-ce que nous voulons de ce pays, afin de voir qu'est-ce qu'il faut pour que nous ne puissions pas tout le temps revivre ce cycle infernal d'insécurité. C'est depuis 1994, nous étions encore tout petits, cette situation a commencé. Si à Kinshasa, on est un peu plus en paix, mais ce n'est pas le cas dans l'Est. On ne trouve pas que l'Assemblée nationale vient à peine de réouvrir ses portes après les nouveaux aux élus. Il faut attendre un tout petit peu parce que le chef d'État avait promis qu'à moindre escarmouche, il va réunir les deux chambres du Parlement. Il faut attendre parce que... Ça c'est ce que dit la Constitution. La dernière bombe, là, c'est... C'est ce que dit la Constitution pour déclarer l'état de guerre. Ouais. Mais entre-temps, comme mon aîné Pascal le disait, ça traîne au palais du peuple. Sénat et Assemblée nationale, ce n'est pas maintenant qu'ils seront définitivement installés. Entre-temps, on les laisse, qu'ils viennent jusqu'à Goma, qu'ils prennent Goba. Non, on se prépare. Qu'ils... Ouais, non, de peaufiner des stratégies, pas question de se préparer. D'arranger les stratégies les militaires. Les matériels, voilà. Moi, je pense que nous devons repenser notre politique de défense pour faire face à toute éventualité et même dans des situations de transition. C'est-à-dire quoi? Il se peut que nous sommes attaqués après les élections, avant que toutes les institutions ne soient installées. On va attendre que le nouveau président prête serment, que les nouveaux députés valident leur mandat, que le nouveau gouvernement soit installé. Non. Au nom de la continuité de l'État, l'armée, c'est aussi une administration. Donc, le reste doit continuer à fonctionner normalement, sans attendre... On ne doit pas observer une discontinuité dans le fonctionnement de l'État. Que l'opposition gagne les élections ou pas, l'administration civile comme militaire doivent travailler pour sécuriser la population, défendre l'intégrité territoriale et puis rendre service à nos populations. C'est pour ça que c'est ça être l'État, c'est ça être État, c'est ça être un pays souverain. On ne doit pas se perdre dans les méandres des déclarations qui n'apporte pas de lendemain meilleur. Je pense que nous devons nous responsabiliser, mesurer le danger qui nous guette et prendre des mesures qui s'imposent pour ne pas perdre le temps à attendre que telle ou telle institution. Parce qu'on risque d'attendre encore plus de 600 jours. Bounagana sera encore entre les mains de ces malfrats appuyés officiellement par le Rwanda. Alors, il y a certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis, qui veulent à ce que les RDC puissent se mettre sur une même table avec le M23. J'ai vu un commentaire où le chef de l'État a dit non, a continué à dire non par rapport à ce dialogue. Parce que qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ne serait pas une meilleure solution pour mettre définitivement fin à cette guerre? Non, dire non, je crois que c'est la sagesse et le sang congolais qui parlent. Je suis en train de voir les mêmes États-Unis. On parlait d'un échange entre l'Israël et la Palestine pour trouver solution à la question de Gaza. Mais jusqu'ici, l'Israël n'entend pas. La situation est similaire. Non, attendez, je continue mon analyse. L'Israël n'entend pas. Continue maintenant sa guerre. Pourquoi? Parce qu'il défend maintenant sa souveraineté. J'ai l'impression comme si c'est les autres pays d'autres continents qui sont souverains. Mais les pays africains, comme s'ils ne sont pas souverains. On attaque un pays, et lorsqu'un pays veut se défendre, c'est les États-Unis qui viennent, et nous sommes toujours très prêts à écouter les États-Unis, et ailleurs, et pourtant ailleurs, on défie les États-Unis. Et on ne voit pas ces pays être brûlés par les États-Unis. Mais la guerre continue aussi à Israël, donc non, vous faites allusion à la guerre continue. La guerre continue, et c'est ça à défendre son pays. Dans le cas d'espèce, il est vrai que de mon point de vue, ça c'est un point de vue personnel, je n'encourage pas aujourd'hui, du fait qu'il y a trop d'infiltration.
Nous travaillons avec certaines personnes. Quand vous écoutez les points de vue des militaires qui sont au front, leur dénonciation, lorsqu'ils parlent des généraux qui sont aux commandes, lorsqu'ils parlent des colonels qui sont aux commandes, vous sentez qu'ils sont en intelligence avec les adversaires. Là, c'est les militaires qui les disent. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut être prêt à partir du moment où nous-mêmes, la trahison commence de l'intérieur, les généraux et les colonels échangent avec les adversaires. C'est là le problème. Donc, à ce stade, par exemple, déclarer la guerre, il faut commencer d'abord par se regarder à l'interne. Qui est à mes côtés? Sinon, il y a qu'on commence la guerre à l'Est, la guerre risque de commencer maintenant à la maison. Si regardez là, infiltration, ça fait un bout de temps qu'on parle de ça. Justement, parce que là, on n'a pas encore mis fin à cette infiltration. Ce n'est pas facile lorsqu'on l'infiltration sur le niveau des généraux et des colonels. Ça s'intensifie. Comment vous allez mettre fin facilement? Donc ça prend du temps, il faut des intelligences pour les détecter. Et ce n'est pas facile. Il faut aller avec intelligence pratiquement. Ils sont très nombreux. Et c'est ça qui fait que, parfois, j'ai suivi l'audio des militaires à l'Est. Vous nous envoyez, nous avons reçu la formation, chacun s'est spécialisé pour telle arme. Mais nous sommes au front, ces armes-là, nous ne les avons pas. Et lorsque vous envoyez ces armes, le colonel qui a l'opération, le général qui a l'opération, prend ses armes, il envoie maintenant à l'adversaire. Nous nous restons avec des petites armes. Dans ces conditions, c'est déséquilibré pour faire la guerre. Voilà pourquoi le travail doit être fait à ce niveau en même temps. Vous parlez, mais depuis jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand ça doit continuer? Parce qu'on a détruit le pays pendant longtemps possible. Difficile à reconstruire. Non, pas difficile. Ça nécessite encore du temps pour la construction. Sinon, la reconstruction. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et donc, nous-mêmes, nous devons nous regarder, nous, Congolais, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. J'ai suivi la fois passée, pas longtemps, qu'avant-hier. C'était hier ou avant-hier. Le président sénégalais, il reporte les élections qui ont été prévues en février, le 25 février. Il envoie à 6 mois. Je n'entends pas les États-Unis que vous faites allusion revenir sur la question. Ça n'a pas été une décision découlant d'un dialogue. C'est une décision du président à ta institution. Il dépasse même le délai des mandats sans avoir l'aval du Parlement. C'est maintenant qu'on a soumis la question au Parlement. Mais nous ne pouvons pas de temps en temps toujours dépendre des États-Unis, comme si c'est les États-Unis qui dirigent la RDC. Les autres, pourquoi les autres vont au-delà, ne dépendent pas des États-Unis totalement? Pourquoi toujours nous? Oui, je comprends un fait. La question de la guerre, le dialogue, le chef ne peut pas accepter le dialogue. Parce qu'accepter le dialogue, Gisèle, c'est chercher à appliquer ce qui a été signé, je vous ai toujours dit ici, le 23 mars 2009. Entériné le 11 novembre 2013 et le 12 décembre 2013 à travers les 3 déclarations faites à Nairobi devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Ces textes de CNDP et de M23 disent expressément ceci. 1. Il faut qu'on crée une zone tampon qui va permettre que tous les pays de la partie Est, commerce. 2. Il faut accepter le retour des réfugiés congolais au Rwanda. Posez-vous la question, si vous, Congolais, vous avez des réfugiés qui sont au Rwanda, ils doivent rentrer en République démocratique du Congo. 3. Vous devez accepter l'intégration politique des acteurs du M23. Ça veut dire dans les institutions. 4. Vous devez intégrer maintenant dans votre armée les militaires de M23. Si vous êtes d'accord, maintenant allez-y au dialogue. Ah, c'est ce qui va se dire. Mais c'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit ici. Cette question, c'est une corde au cou que la République démocratique du Congo s'est mise. Parce que nous avons signé cette déclaration devant le secrétaire général des Nations Unies. Or, notre constitution nous dit. Les traités et accords signés à l'international ont une prédominance sur notre constitution. Voilà pourquoi, lorsque le chef de l'État est président de la République, le premier exercice qui s'est donné sur cette question, c'est échanger avec ceux-là du M23.
Et c'est comme ça qu'on dit souvent, Tshisekedi a échangé avec le M23. Non, c'était par rapport à cette question qu'il fallait comprendre. Parce que ça a été signé à l'international. Lorsqu'il a compris que les avantages de la RDC ont été hypothéqués, et il a refusé, tout en refusant, ils sont allés, ils ont pris les armes, ils ont commencé la guerre. Est-ce que la faute c'est au président Tshisekedi? Non. Il agit en tant que Congolais, le sang congolais le pousse à agir normalement. Et ça, nous devons dire, c'est une chance pour nous. Parce que le contraire aurait été les intégrer dans nos institutions. Imaginez maintenant la conséquence. Mais entre-temps, ça prend du temps et les gens meurent. Mais voilà pourquoi ça nécessite une conscience collective. Ouais. Ce qui m'énerve en même temps, c'est... Regardez par exemple, face au foot, nous sommes unis. Unis plutôt, que ce soit l'opposition, que ce soit... Tous nous sommes ensemble. Parce que nous défendons l'image du pays. Nous défendons le drapeau du pays à travers cette compétition. Mais lorsque nous avons la question des guerres, au lieu de défendre le pays, nous créons des oppositions. Vous attendez quoi de l'opposition, par exemple, par rapport à cette guerre? Lorsque les Rwandais nous verront unis, n'est-ce pas? Ils ne vont pas trouver des branches pour trouver des prétextes. Ah, donc il n'y a pas opposition dans les pays. Non, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'opposition. Pour cette question des guerres de l'Est, on ne peut pas avoir d'opposition. Qui est responsable de cette question? Le responsable s'appelle l'entrée de l'AFDEL appuyée par le Rwanda et l'Ouganda. Et la conséquence, nous avions eu le RCD, nous avions eu le CNDP, nous avions eu le M23-1, nous avons le M23-2 aujourd'hui. Et donc, ceux qui n'étaient pas concernés par l'entrée de l'AFDEL, ils ne sont pas responsables. Voilà pourquoi ils ont tout intérêt de comprendre qu'il s'agit de notre pays et monter des stratégies pour défendre correctement et valablement le pays. Pour ça, on n'a pas besoin d'avoir des oppositions. Voilà pourquoi je reviens à l'Assemblée nationale, comme Walter était en train de le dire. Ne prenons pas beaucoup de temps. J'insiste, nommons l'informateur qui ne peut pas avoir 2-3 jours de travail. Ce n'est pas intéressant. Et qu'on ait rapidement le formateur qui lui aussi ne peut pas avoir plus d'une semaine pour nous composer le gouvernement. Qu'on ait de nouveaux esprits, n'est-ce pas, qui doivent faire maintenant face à cette guerre, appuyer le chef de l'État ensemble avec l'âme congolaise, voir ce que nous allons faire. Allez vite, mais il y a aussi des gens qui ne seront pas, qui ne vont pas se retrouver, du coup ils seront dans l'opposition. Hein. Mais comme quand ça, vous allez à l'opposition, on évite les frustrations, vous allez à l'opposition, vous plus de cornets, nous sommes en démocratie, vous allez à l'opposition, ce n'est pas mauvais. Mais face à cette question de l'Est, en principe, Gisèle, il ne faut pas avoir des oppositions. Merci. Voyez-vous? Donc, si vous allez à l'opposition pour la lutte de positionnement demain, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais lorsque nous avons la question de l'Est, nous ne pouvons pas avoir des oppositions. Pascal a parlé de la conscience collective, Walter Kouy. Mais on a vu la manifestation de la société civile, hein, de la population à l'Est, contre l'occupation de Bounangad à 600 ans. Jour après, mais ça a été réprimé, il y a eu des arrestations. Qu'est-ce que vous en pensez? On signale aujourd'hui qu'il y a environ 10 personnes ou 10 militants ou activistes de la société civile qui sont encore dans les locaux des services de renseignement. Moi, je trouve ça plutôt contradictoire. Qu'est-ce qui a motivé les services de renseignement pour mettre ces gens en tôle ou au cachot? Parce qu'ils disent que ça fait 600 jours depuis que Bounangad est occupé par les forces des ennemis. C'est en quelque sorte, à mon avis, ils viennent éveiller la conscience populaire pour que nous ne puissions pas oublier, parce qu'on n'en parle presque plus. Bounangad, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une cité frontalière de la RDC et l'Ouganda. Or, la RDC part l'entremise des forces, ces forces armées, les FRDC et l'Ouganda par l'UPDF, mènent des opérations conjointes contre les forces négatives dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais l'Ouganda a laissé le M23 prendre cette cité de Bounangad. Jusqu'à ce jour, moi, je me suis souvent demandé qu'est-ce qui empêche au gouvernement congolais de demander au gouvernement ougandais, soit de chasser le M23 de Bounangad, soit de nous autoriser
de les traquer. Vous l'avez, mais c'est en RDC, non? C'est en RDC, mais c'est une cité frontalière. Mais nous sommes en opération conjointe. Pourquoi, on leur a demandé de venir traquer les ADF dans le territoire congolais, partent précisément dans le territoire de Beni et puis Irumu en Ituri? Nous avons demandé, venez nous aider à traquer les forces négatives. Mais entre-temps, on laisse le M23 occuper cette cité frontalière qui a la douane, les marchandises passent par là. Le M23 prélève la douane et les différentes taxes pour tout ce qui entre en République démocratique du Congo par ce poste frontalier. Bien que je me rappelle à une certaine époque, l'intersyndicale nationale du Congo avait demandé aux opérateurs économiques de ne plus faire transiter les marchandises par Bunagana. Mais là aussi, c'est question du coût. Quelqu'un qui a une localité ou des magasins qui sont non loin de Bunagana, doit-il passer par Goma? Ce transit ne va pas coûter un peu plus cher en passant par la grande barrière de Goma ou en contournant par le Grand Nord? Ce sont des questions que seuls ceux qui maîtrisent les chiffres peuvent décortiquer. Mais s'agissant de cette occupation, moi, j'attends que le gouvernement congolais demande au gouvernement ougandais de faire quelque chose pour que le M23 quitte Bunagana. Parce que c'est impensable. Non, mais excusez, mais là, c'est difficile aujourd'hui de le faire. Ces opérations conjointes ont été pensées avant que le M23 s'exerce dans cette aventure. C'est comme ça qu'au début du mandat, le chef de l'État avait estimé collaborer maintenant avec les voisins. Il a tenté avec le Rwanda sur le plan commercial, il a tenté avec l'Ouganda sur le plan militaire. Alors maintenant, après, le M23 est venu entrer. Donc, c'est comme qui dirait, cette tentative de coopération conjointe pour traquer les FDLR, enfin, ces rebelles, c'est déjà révolu, on ne peut plus revenir à ça. Et je ne pense pas que on peut encore rester en bonne relation pour demander à Ouganda de dire au M23 c'est cela. Ça ne passe plus. Ça, c'est déjà passé. Aujourd'hui, nous nous regardons avec l'Ouganda, avec méfiance, du fait que le M23 aujourd'hui, même si on parle souvent du Rwanda, est totalement soutenu par l'Ouganda. La preuve, vous-même, vous l'avez dit, Bunagana, c'est à l'entrée de l'Ouganda. Voilà, il a fini ce que je voulais dire à la mais fin. Les sont là, nous, aujourd'hui, on doit reconnaître que le gouvernement ougandais n'est pas sincère avec nous. Parce que les M23 qui ont occupé Bunagana, ce n'est pas le plus grand contingent qui était cantonné au Rwanda, mais c'est plutôt le contingent qui était cantonné en Ouganda, qui est directement venu à Bunagana. Donc, ils n'ont pas été sincères avec nous. Autant nous condamnons Kagame ou le régime en place à Kigali, autant le gouvernement congolais, par le porte-parole Patrick Muyaya, j'attends un jour qu'il dise qu'il soit aussi tranchant envers Museveni comme il est envers... Mais nous avons des opérations avec l'Ouganda, non? Vous l'avez d'ailleurs soulevé, l'UPDF. Nous, on doit être sincères. Alors, on doit arrêter. Ça patine. Ces gens ne sont pas sincères avec nous. Nous devons prendre des dispositions. Parce qu'on ne se leurre pas. Ils laissent le M23 occuper Bunagana, mais de l'autre côté, ils mènent les opérations avec nous. Est-ce que vous trouvez ça contradictoire à la limite? D'où c'est de notre responsabilité de repenser notre façon de collaborer avec ces gens pour que nous ne soyons pas infiltrés de partout. Parce qu'en menant des opérations conjointes, ils ont accès à aux cartes militaires de cette partie du territoire congolais. Donc, je parie que ces gens commencent déjà à mieux maîtriser la cartographie militaire de cette partie du territoire, mieux que certains militaires restés ici à Kinshasa. Et c'est un danger pour nous. J'ai dit toujours que nous avons 9 frontières. Nous devons avoir cette armée ou une armée qui est capable, nous devons bâtir plutôt une armée qui est capable de répondre à 9 menaces à la fois. Je ne dis pas que nous devons faire la guerre aux 9 pays frontaliers, mais nous devons nous préparer à ça. Nous devons être vigilants parce que voyez combien de temps nous prenons avec le Rwanda par le M23. Et si l'Angola venait par Cabinda, Congo-Brazzaville, Soudan du Sud, voyez. On ne souhaite pas. Hein?
Nous ne le souhaitons pas, mais nous devons nous préparer en conséquence. Aujourd'hui, nous sommes l'un des pays, si pas le troisième pays, le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria et puis l'Éthiopie. On parle de 100 millions d'habitants. Mais on doit lever ne fût-ce que 600, ou même si l'Ukraine, un tout petit pays de 20 millions d'habitants, a une armée de 800 000 hommes. Mais pourquoi nous, un pays de 100 millions, sommes incapables d'avoir une armée de 500 000 hommes? Là, on est en train de construire l'armée, de reconstruire. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes dans ça. Ça fait plus de 10 ans. Non, si nous devons aller de 2003 jusqu'à ce jour, ça fera combien? C'est presque 21 ans. Donc, ça, oui, bâtir une armée prend un peu plus de temps, mais nous devons mieux faire et étudier toutes les menaces, prendre les mesures ou les dispositions nécessaires pour que demain, nous ne soyons pas le dindon de la farce comme on le constate aujourd'hui. Parce que tous ces gens-là, que ce soit l'Angola, EAC, SADC, soyez-en sûrs, ces gens-là ne viendront pas verser leur sang régulièrement pour la paix dans notre pays. Non. Merci, nous Walter. Devons nous assumer avec beaucoup de conscience, beaucoup de patriotisme et du sérieux, surtout auprès de ceux à qui nous avons délégué le pouvoir public. Alors, nous nous rendons à la Cour constitutionnelle, aux audiences publiques qui doivent statuer sur les cas de députés nationaux dont les résultats ont été invalidés. Ça débute aujourd'hui. Quelles sont vos attentes? Est-ce qu'on va arriver à réhabiliter ces députés qui réclament? Dans ce lot, il y a le gouverneur de la ville, il y a Colette Chomba, il y a tous ces gens-là qu'on avait. Ils sont 82, hein? Mm-hmm. Quelles sont vos attentes par rapport à ce... Bon, ma position n'a pas changé, hein, Gisèle. Vous êtes témoin. Dès le premier jour, je disais ici que la CENI n'a pas bien fait les choses. Je vous disais ici que la CENI n'allait pas, en tout cas, faire ce qu'elle avait fait, aurait dû envoyer une requête auprès de la Cour pour appréciation. Alors, parce que lorsque vous suivez les différentes déclarations provenant de la CENI, vous n'entendez pas la CENI vous parler de preuves tangibles sur ce qui s'était effectivement passé. Oui, nous dénonçons ce qui s'est passé effectivement, parce que dans certains coins, nous avions vu comment les élections étaient mal organisées. Et quant à pouvoir identifier correctement les gens, que c'est tel qui a fait ça, vous devez apporter des preuves. Vous n'allez pas ignorer en même temps que parmi ces gens, il y a beaucoup de constitutionnalistes. Ils maîtrisent la loi. Mais comment vous irez dans une haute cour comme celle-là lorsque vous n'avez pas de preuves? Et ces vidéos qui ont circulé sur les réseaux, ça suffit pas? Mais vidéo, ce n'est pas pour tout le monde. On voit des gens avec des machines. Effectivement, ouais. Vous aviez vu les gens avec les machines. Comment lier ces vidéos à la personne que vous avez accusée? Il y a aussi la figure. Oui, mais ça, sur les 80, peut-être on peut avoir 2, 3, 4 cas comme ça. Mais le reste... Les témoignages. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit ici, que ça va poser un problème sérieux. Parce que lorsqu'on va valider certains d'entre eux sur les 82, l'implication va revenir sur le travail de partage de sièges. Parce que si au départ vous aviez invalidé une personne qui avait beaucoup de voix sur sa liste, si au moins ces voix étaient comptabilisées, sa liste allait atteindre le seuil. Du fait d'avoir écarté, sa liste n'a pas atteint le seuil dans le partage, sa liste n'a pas bénéficié des sièges. À la Cour constitutionnelle, cette personne est réhabilitée. On restitue ses voix sur sa liste atteint le seuil. Et d'office maintenant, sa liste doit bénéficier des sièges. Voyez comment ça va se passer. Tout va si on a un, deux, trois, quatre, cinq cas comme ça, c'est la CENI qui aura encore du travail. Et les contentieux risqueront maintenant de s'étirer à longueur. Et alors que, au regard du temps, comme nous sommes en train d'échanger maintenant, nous avions dit au début, nous n'avons pas du temps à perdre. Donc, ce que la CENI a fait au début, c'est comme du théâtre. J'attends les juristes de la Cour constitutionnelle, les juges les plus sages, agir en âme et conscience, tout en respectant la loi. De ce fait, je ne vois pas
tous les 82 cas être condamnés. Sur les 82, on risque d'avoir même 50 réhabilités. Imaginez aussi ce qui pourrait se passer à l'Assemblée nationale. Parce que déjà, on a validé 477 députés. Sur les 477, je vous avais dit ici, une centaine va quitter l'Assemblée nationale. Et d'autres vont intégrer. Parce que le volume des contentieux, des requêtes déposées à la Cour constitutionnelle, démontre à suffisance que le travail provisoirement fait par la CENI nécessite une forte correction pour apaiser les tensions et permettre que les meilleurs, les vrais, les élus soient à l'Assemblée nationale. Et nous attendons cela, comme le travail a commencé, sûrement que ça ne va pas prendre tout le temps dans une semaine probablement, qu'on termine, qu'on soit aussi fixé, qu'on voit autre chose. Alors, de l'analyse de Pascal Waterkouille, nous irons des contentieux en contentieux. On risque de vivre la scène de 2018 où les gens avaient leurs draps, leurs thermos, passer une nuit devant la Cour constitutionnelle. Non, je reviens d'abord à un élément que vous avez soulevé. Vous avez dit qu'il y avait des preuves de certaines personnes avec des vidéos. Mais moi, j'en ai aussi vu nombreux sur des vidéos, mais qui ont été proclamés par la CENI, mais voilà, ils n'ont pas été sanctionnés. Ça aussi. Il y a les cas des provinces de la Mongala, disons presque partout, même ici à Kinshasa. On a vu des gens ou des vidéos, mais la CENI n'a pas sanctionné. Donc, certaines preuves ne sont pas des éléments irréfutables qui seront peut-être balayés par la justice. Et c'est ici le lieu de demander à ce que cette nouvelle cour ne nous tourne pas en bourrique comme ce fut le cas en 2018. Parce qu'on doit le savoir, comme je le disais tantôt sur ce même plateau, il y a beaucoup de députés machinistes, donc des gens qui se sont fait élire grâce aux machines qu'ils avaient par devers eux. Un autre élément, la CENI n'a jamais sanctionné les gens ou ces agents qui distribuaient les machines. Ah, là aussi on attend ça. Hein? Je ne vois pas moi un candidat député aller jusque chez le chef de section ou cellule ou quoi de la CENI, prendre une machine et aller avec chez soi à la maison. Non. Les machines disparaissaient entre les installations de la CENI et les bureaux de vote. Il y avait complicité entre les candidats et les agents de la CENI qu'on n'a jamais sanctionné jusqu'à ce jour. Et la police aussi. Ouais. Et la police aussi. On il y a une police autant, mais... impliquée. Il y a aussi la police qui est impliquée. La police et les agents des services de renseignement. C'est tout un réseau. Pourquoi s'en prendre uniquement aux candidats députés que je souhaite effectivement être sanctionné parce que ce n'est pas par la fraude qu'il faut accéder aux responsabilités publiques. Il faut, je disais ici, la CENI devrait aller dans sa logique jusqu'au bout. Mais ça n'a pas été le cas. 82 pour 4, bon, si on enlève Justin Kalumba, il reste 81 personnes ou 81 candidats. C'est insuffisant sur des centaines de cas, rien que pour Kinshasa, c'est plus de 100 cas qui devraient être sanctionnés, mais malheureusement, la CENI n'est pas allée jusqu'au bout dans sa logique. Et les gens sont maintenant à la Cour constitutionnelle, j'ai vu le communiqué de cette haute cour. Bon, que la justice fasse son travail, que chacun... Il revient à la CENI de prouver comment tel ou tel a triché ou a volé la machine, le dispositif, la machine à voter. C'est aussi ça la difficulté. Mais un autre élément s'agissant des cas des provinces ou des circonscriptions où les votes ont été annulés, pour les cas de Massima Nimba et Yakoma. Mais il y a aussi un sérieux problème dès lors que la CENI publie le calendrier pour la tenue des élections pour la sénatoriale et puis l'élection des gouverneurs. Or, ces territoires risquent de manquer des représentants à compétir ou à faire compétir pour l'élection aussi bien des membres du bureau du Sénat que des gouverneurs des provinces. Si, par exemple, le territoire de Massima Nimba a l'un de ses fils qui s'estime être le meilleur candidat, mais il va louper cette opportunité. C'est justement ce qui a justifié la marche le week-end dernier dans la cité de Massima Nimba, où la société civile a exigé que soient d'abord organisées les élections dans ce territoire pour permettre à ceux qui seront élus de concourir pour les députés provinciaux à l'élection aussi bien des gouverneurs que des sénateurs. Deuxième élément,
Même dans le territoire de Yakoma, il y avait aussi des gens qui avaient manifesté pour exiger que soit que l'on publie les résultats, soit qu'on organise les élections nationales et provinciales avant les élections des sénateurs, parce qu'on ne doit pas priver à ces deux territoires, comme à tous les autres, la possibilité de faire représenter les leurs au bureau du Sénat et puis des gouvernorats des provinces. Voilà un peu ma petite contribution par Merci rapport à ces élections. Merci Walter. Alors, nous devons aussi analyser cette nouvelle. Hein. Je ne sais pas si c'est une rumeur, si ça semble être une réalité. Matata Ponyo accepte de collaborer avec Félix Tshisekedi pour la formation du prochain gouvernement. Rumeur, réalité. Bon, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une réalité. Ça a été une analyse faite par Tshamala. Je ne sais pas s'il est son secrétaire général, son porte-parole. Il a parlé au nom de Matata. Et je vois les gens inverser l'analyse, dire comme si Matata répond à l'appel de Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas appelé Matata. Il a tendu la main. Non, Tshisekedi n'a pas tendu la main à Matata. Aux opposants. C'est Matata qui fait un appel intelligent à Tshisekedi à travers son secrétaire général qui a donné de tels points de vue lors d'une émission. On pose la question à Tshamala. Êtes-vous prêt aujourd'hui à collaborer avec Tshisekedi? C'est une question qui lui a été posée. Il dit oui en tant que nationaliste si on nous appelle. Nous ne voyons pas comment nous allons refuser parce que Matata est là pour servir la nation. Ça a été un point de vue des membres de Matata à travers une question lui posée par un journaliste. Et lorsque on donne la version dans le sens contraire, comme si Tshisekedi manquait des intelligences et tend la main à Matata, et pourtant on sait que Matata a des dossiers à la Cour constitutionnelle, c'est Matata qui fait appel à cela parce qu'il a des dossiers, il a des soucis. Il veut se blanchir. Il a fait ce qu'il a fait hier pour des raisons électorales, nous avions suivi son comportement, etc. Aujourd'hui, il est rattrapé. Il a pris sa queue, l'a mis entre les deux pattes. On ne voit plus sa collaboration avec Katumbi aujourd'hui. Nous l'avons vu sillonner le pays avec Katumbi. N'est-ce pas? C'est insurgent contre Tshisekedi. Et vous pensez aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui va vers Matata? Non, Matata a des soucis. Matata veut maintenant que ce qui lui est reproché soit oublié, n'est-ce pas? Tout en intégrant maintenant l'équipe de Tshisekedi. Mais ça ne se passe pas comme ça. Je crois que ça a été prévu pour le mois de mars ou avril, qu'on va ouvrir le dossier à la Cour constitutionnelle. Donc ici, ce n'est pas Tshisekedi qui va vers Matata, c'est Matata qui cherche à intégrer le pouvoir pour servir la nation. Pourquoi je ne vois pas d'obstacle? Ce n'est pas mauvais, c'est un fils du pays. S'il a des capacités à pouvoir gérer le pays, pourquoi nous devons refuser? S'il peut servir la nation, il ne va pas constituer, va pas constituer pour... les erreurs du passé que les chefs mais, ne mais veulent pas. Mais c'est là le problème. Le problème, c'est dans le comportement déjà affiché dans le passé. Les détournements que les Congolais ont dénoncés hier, de telles personnes revenir, et pourtant nous avons des intelligences qui méritent de travailler, qui n'ont pas encore commencé à travailler. Et donc c'est ces gens-là que nous estimons qu'ils sont l'incarnation de l'intelligence, l'incarnation du savoir-faire. Ça c'est mal lire les choses. Merci. Donc je crois que qui se calme un peu, on n'a pas oublié le dossier, nous allons le réactiver. Encore que le temps qui a été donné par la Cour constitutionnelle n'est pas encore arrivé et nous allons observer, il a des soucis en justice qu'il a d'abord répondu à la justice. Il ne faut pas oublier aussi dans son discours d'investiture, le chef avait dit qu'il a tendu la main à l'opposition. Mais il n'y a pas une spécificité pour une personne. Il a parlé en tant que père de la nation pour tout le monde. Mais il ne s'est pas adressé à Matata. Il a répondu. Non, il ne s'est pas adressé à Matata. Il a dit à tous les Congolais, ceux qui peuvent venir servir la nation, ils sont là. C'est leur pays qu'ils viennent servir. Mais vous avez des problèmes de justice. Vous êtes reproché des détournements. Vous n'êtes pas le meilleur. Mais si on fouille là, il n'est pas les seuls. Il y a beaucoup. Ah oui, d'accord. Mais nous dénonçons, ces problèmes, nous dénonçons tous ces cas. N'encourageons pas de tels gens. Votre analyse également par rapport à cette information? Non, moi je me pose souvent la question, qui vous dit que pour vivre mieux ou pour servir le pays, il faut être dans les institutions? Ça, c'est une très mauvaise façon de voir les choses ou de faire la politique. Non. Et pourtant, il est député. On n'est pas un royaume pour que tout le monde dise amen, amen au chef. Oui, nous sommes un État où il y a, dans les institutions, il y a une place pour l'opposition. Quand le président de la République dit qu'il
il est ouvert à travailler avec tout le monde. Ce n'est pas nécessairement pour que tout le monde devienne ministre, premier ministre ou membre des institutions, non. Vous pouvez mieux faire l'opposition. Rappelez-vous, depuis que cette constitution a été votée, on n'a pas choisi un porte-parole de l'opposition. Nous avons besoin d'une opposition constructive, comme ça se passe partout à travers le monde. Matata était avec Moïse Katumbi. Je pense qu'il ferait une bonne opposition républicaine s'ils acceptent réellement d'intégrer les institutions, principalement le Parlement, les Sénats, et qu'ils prennent ce poste, ce fauteuil de porte-parole de l'opposition. Parce que le porte-parole de Moïse Katumbi, hein, ça Moïse Katumbi, oui, mais il est avec Matata, Diongo, les Kikuni, les Sesanga et tous les autres là. Mais s'ils prennent le porte-parole d'opposition, c'est une façon aussi de gérer ce pays parce qu'ils auront accès à certaines informations comme le veut la Constitution. C'est en quelque sorte une mini-institution, ce bureau ou ce poste de porte-parole de l'opposition. Ce n'est pas un seul individu, mais c'est un seul individu qui sera comme le leader, mais derrière lui, il aura tout un bureau. Ils auront des financements. Voilà un peu. Quand ils cherchent l'argent. Ils seront payés. Oui, le porte-parole. La Constitution prévoit que le porte-parole de l'opposition ou le porte-parole-là soit doté. Ils auront une dotation. Il a le statut du vice-premier ministre. Voilà. Oh là là. Donc, ils auront une dotation qui leur permettront de se déployer à travers le pays et de faire le travail pour lequel la nation ou ceux qui les ont élus, votés, leur ont fait confiance. Parce que rappelez-vous, les élections, c'était environ 17 millions de Congolais qui sont allés se faire élire. Sur la quarantaine des millions de Congolais. Et si nous allons à 100 millions de Congolais, le président de la République s'est fait élire avec environ 7 millions de Congolais. Vous voyez, on dit que il a la majorité absolue. La majorité des Congolais l'ont voté. Non, c'est la majorité de ceux qui sont allés au vote qui ont voté le président de la République. Raison pour laquelle on a souvent demandé à celui qui gagne l'élection ne puisse pas écraser les autres. Parce que si vous prenez... Vous retirez la tranche des 7 millions qui ont voté le président Félix Tshisekedi, vous constatez que plus de 90 millions de Congolais n'ont pas voté ou n'ont pas voté pour le président Tshisekedi. Également, l'opposant, si vous prenez le 1 ou 2 millions de Moïse Katumbi, vous constatez que c'est infime. Mais l'idéal est que tous travaillent pour la nation. Raison pour laquelle je suis contre tous ceux qui pensent que pour mieux travailler, pour servir ce pays, il faut absolument être dans les institutions du pays. D'ailleurs, il y a une phrase qui me fait souvent rire quand les gens du pouvoir, hier comme aujourd'hui, font leur déclaration. Ils disent souvent, un acteur politique en mal de positionnement. Non, mais quand on est à l'opposition, on n'est pas en mal de positionnement politique, non. On peut bien servir ce pays tout en étant à l'opposition. Je passe rapidement à quelques exemples ou un exemple. Très vite. Je disais ici sur ce même plateau qu'il faudrait que dans les années qui viennent, que ceux qui ont déjà travaillé, que ceux qui ont leur travail viennent faire la politique. Pourquoi? Parce que ceux-là, quand ils perdent l'élection, ils ne sont pas aigris. Ils continuent à faire leurs affaires. C'est le cas de Adam Bombolé. Il a perdu en 2011 l'élection à la députation nationale. Mais il vit mieux. Il a créé son parti politique, il n'a pas gagné les élections, mais Adam Bombolé est parmi les gens qui vivent. Et il sert le pays autrement. C'est pour dire, ce sont les chômeurs qui font de la vie politique une carrière professionnelle. Une fois les élections perdues, c'est des tonnes de déclarations, des tonnes d'insultes ou de dénigrements contre les institutions légalement établies. Donc, vient ou doit venir le moment où pour faire la politique, la population doit choisir des gens qui travaillent déjà quelque part pour que quand ils perdent l'élection, qu'ils ne deviennent pas aigris, qu'ils ne commandent pas à dénigrer les institutions, qu'ils ne pensent pas que le pays est dans le rouge en tout et pour tout, mais que ces gens-là rentrent là où ils travaillent, qu'ils continuent à servir le pays autrement, dans le privé. C'est l'idéal. Très belle réflexion, mais la difficulté, c'est au niveau des... la population sur le choix des animateurs. Nous avons vu pendant les élections ici, les meilleurs ne sont pas choisis.
Question d'avoir l'argent et puis la population. Nous avons une population qui ne comprend rien jusqu'à ce jour. Excusez qu'on le dise. Une sensibilisation. Parce qu'on termine, Gisèle. C'est déjà la fin. Oui, oui, c'est la fin. C'est juste la fin. Une interpellation. C'est Walter qui avait je suis en train d'observer, oui, effectivement. Je suis en train d'observer depuis après les élections. Il y a un calme qui me fait peur ou qui me fait interpeller. Les politiques qui s'opposaient hier, aujourd'hui, personne ne dit mot. Tout le monde s'est tu. Les journalistes, je ne parle pas la qualité des journalistes, c'est comme les Walter, ainsi de suite. Les journalistes qui s'exerçaient dans leur comportement indécent, avec des injures contre les gens, ils s'en sont effacés. Les colonels, les généraux qui menaçaient hier, tous se sont tus. C'est la trêve. Est-ce que c'est parce qu'ils ont, est-ce que c'est parce qu'ils ont accepté le résultat? Est-ce que c'est parce qu'il y a un plan qui est monté quelque part? C'est cette assertion qui semble me convaincre. Tous se sont tus. Qu'est-ce qui se trame? C'est là que nous appelons les services de sécurité de mettre le travail à ce moment. Merci. Qu'on ne soit pas distrait, qu'on comprenne qu'ils n'ont pas croisé les bras. Ils continuent leur lutte, leur combat pour l'atteinte de leur objectif, qu'on ne semble pas oublier. J'ai un mot en rapport avec ça. Oui. Mon aîné Pascal Ounje, j'avais oublié, de lui que je devrais parler, j'avais dit, je donne quelques exemples. Je l'ai connu plusieurs fois conseiller dans des ministères, des cabinets des ministres, mais quand le gouvernement tombe, il rentre faire son travail. Il a postulé ou il a tenté de postuler, ça n'a pas marché. Il rentre faire son travail. Est-ce que vous l'avez entendu tout le temps que Kabila ou Tshisekedi, Tshisekedi? Non. Il rentre faire son métier. C'est ça le plus important. On peut servir le pays en dehors des institutions. Exact. Donc nous devons nous habituer avec ça. Merci. Merci Walter Kouy. Merci Pascal Ounje, qui est fini. Merci. Merci à l'équipe technique. Là, je vois Héritier Tubilandou, Georges Libengue, Moro Djambé, Alain Kabongo, José Andia, Bruno Ndinga. À la radio, c'est Onésime. Hein? Onésime Tinga. Rodriguez qui est à la radio. Et merci au coach Doudou Montieri. Madame, monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir.